Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis à l'hôtel comme vous pouvez le voir. En fait on a pété un câble avec mon mari, je sais c'est le ramadan mais on s'est dit mais attends, on veut partir en week-end en fait. Et du coup bah on a décidé de partir en week-end et on l'a fait. Donc ouais on se retrouve à l'hôtel en plein mois de ramadan. Un week-end pendant le ramadan c'est cool, c'est un peu différent mais c'est cool. Donc on se retrouve aujourd'hui, là je suis habillée, je vais sortir, je vais vous dire où est-ce que je vais. Enfin je pense que vous le savez déjà si vous avez vu le titre. Mais je me suis levée avec une envie de refaire mes cheveux. Je me suis dit mais c'est quoi cette coupe, ça fait très très longtemps que je les ai pas fait. Depuis mon mariage en fait, depuis mon mariage je les ai pas touchés, j'ai pas coupé, j'ai pas coloré, j'ai pas lissé, j'ai rien fait franchement. Donc là j'ai décidé d'aller me faire une petite coupe, déjà couper les pointes parce que franchement ils sont dans un état catastrophique, je vous raconte même pas. Et en plus de ça je voulais refaire un petit peu mon balayage, donc à savoir que moi je fais pas de coloration parce que voilà j'ai ma mère ce parasite. Je sais pas si vous connaissez ça les filles, mais moi ma mère elle veut pas que je me colore les cheveux, tout simplement parce qu'elle me dit ça abîme les cheveux, moi je regrette, regarde mes cheveux, nanana. Bref, je vous épargne tout le discours. Donc j'ai juste lâché l'affaire et j'ai pas coloré mes cheveux. Mais à côté de ça, je fais des petits balayages, donc j'en ai fait un seul en fait. Donc là vous pouvez voir, c'est juste mes pointes qui sont colorées. Je touche pas aux racines. Et donc aujourd'hui je me suis dit bah on va aller refaire le balayage, on va faire une petite coupe. Donc je vais couper un petit peu, sûrement je vais me faire une petite frange aussi. Et donc j'ai décidé de vous emmener avec moi. Donc pour les personnes qui me suivent toujours pas sur Instagram, je vous laisse le soin d'aller m'ajouter juste ici. Allez m'ajouter les filles, c'est très important là-bas, je suis très très active, du moins plus que YouTube. Donc voilà, comme ça on peut discuter, échanger, je peux vous montrer ma coupe, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. On peut faire vraiment beaucoup de choses, donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter. Aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous allez être au courant à chaque fois que je sors une vidéo. C'est quand même important. Bref, je vais arrêter de parler et je vais vous emmener avec moi, comme ça la vidéo elle va pas être trop longue. Je vais faire ça sous forme de vlog et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Les filles, ça c'est le rêve de ma vie avec mon mari. On veut trop avoir ça, tu sais, genre une petite caravane et faire le tour du monde avec, ce serait incroyable. J'ai fait une petite pause ici parce que ça fait trop du bien juste d'admirer comme ça l'eau et de kiffer seulement en fait avec un petit peu de musique. Franchement ça fait trop du bien. Je sais pas vous mais moi les filles ça me repose de ouf. Donc voilà, bon je vais quand même reprendre la route parce que là j'ai un rendez-vous avec la coiffeuse à 16h et il est déjà trop tard là. Donc bon, j'y vais. Les filles, on est passé à l'étape du lavage. J'ai une petite dame trop mignonne qui s'occupe de moi juste ici. Tu veux que je te montre? Vas-y, vas-y. Hello, hello. Elle m'a fait une couleur, alors je sais pas, j'ai pas encore vu, c'est un ombré. J'ai trop hâte de découvrir. Mais en tout cas, c'est un bête de salon les filles. En plus, regardez,
privatisée là. On est toutes seules. Les filles, on a fait un soin là pour les cheveux, donc pour rehydrater les cheveux. Il est juste ici, voilà. Et du coup, bah là, on va se, enfin, elle va me laver les cheveux et on va aller faire la coupe. Non, il n'y a pas de problème. Bisous. Mes beautés, on touche à la fin de cette vidéo. Regardez-moi ces cheveux de bad bitch. Franchement, un truc de malade. C'est hyper beau, j'adore. C'est encore un peu plus clair, donc c'est super joli. Regardez derrière dans le miroir. Franchement, j'adore. J'ai fait une petite frange aussi. Ça change un petit peu, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Moi en tout cas je me suis amusée à vous la tourner et je suis trop contente de mes beaux cheveux. Là je vais rentrer chez moi, mon mari va être trop content. Enfin je suis même pas sûre qu'il va le remarquer parce que vous savez hein, les mecs ils remarquent rien du tout. Mais bon en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vais vous faire de gros bisous et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.